Un triple album qui est le dernier sorti. Alors, expliquez-nous le concept. Trois albums, mais les concepts, c'est, pour moi, c'est qu'un seul album. Mais j'ai essayé de modifier un peu pour ne pas faire sortir tous les trois coffrets dans le même temps. Et puis, on a essayé de séparer ça, c'est non stratégique. Mais s'il y a qu'un seul album, ça. Un seul album, donc un grand coffret. Mm-hmm. On va écouter un extrait, d'ailleurs, de cet album qui s'appelle Mea Culpa. On écoute. Donc à la majorité, je parle de la rumba. De la rumba, souvent on chante l'amour. C'est ça, quoi. Alors justement, vous faites partie des artistes de la jeune génération qui ont choisi de se spécialiser dans la rumba congolaise, comme les Papa Wemba, les Franco, les Madilou. Vous aviez envie de vous démarquer de ce que fait la jeune génération aujourd'hui, ou bien c'est parce que finalement c'est ce qui vous a le plus construit? C'est ça qui m'a construit plus, et c'est on suit les pas de nos grands. Et moi, si aujourd'hui j'ai fait de la rumba, c'est grâce à Ok Jazz, Papa Wemba, les Franco. Donc on reste dans ces styles-là, en mélangeant un peu style Ferrego là, mais on reste dans la rumba. Donc on garde cette originalité-là, quoi. C'est quoi le style Ferrego là? Le style Ferrego là, c'est le timbre des voix, les styles, aussi la façon. C'est moi qui j'ai ramené encore des guitares acoustiques, parce que souvent on utilisait plus ça. Et moi, j'ai essayé de les ramener encore. Quand tu écoutes la rumba, quand t'attends quelqu'un joue l'acoustique dedans, c'est le style Ferrego là. Donc j'ai ramené mon empreinte, quoi, c'est ça. Alors, vous avez commencé, comme d'autres jeunes artistes congolais, aux côtés des grands, comme vous les appelez, donc Wenge Musica, Wenge Musica Maison Mère, et puis vous avez rejoint la formation de Koffi Olomide, le quartier latin, comme Fally Ipupa d'ailleurs, avec qui vous étiez Moi, par contre, je suis dans le Wenge. Quartier latin, c'était un truc un petit vite fait. Et j'ai fait quoi, une année là-bas, mais moi, je suis dans les Wenge Musica. Je suis l'enfant de Wenge, pas du quartier latin. Vous êtes davantage l'enfant de Wenge et de Werrason que de Koffi Olomide. Wenge Musica, dans l'ensemble, parce que moi j'étais dans l'ensemble, et quand on était ensemble, et quand on parle du président JB, le vieux Werrason et tout le monde, avec moi j'étais avec eux. Et après ça, la dislocation, on est parti faire Wenge Musica. Après j'ai pris ma carrière en solo. Est-ce que ce compagnonnage avec d'autres grands artistes, c'est la voie royale dans la musique congolaise? Parce que je pense aussi à Koffi Olomide, un autre grand de la musique congolaise, qui a commencé avec Papa Wemba. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la musique congolaise, pour percer, il faut travailler avec les grands? Non, pas forcément. Il y a des jeunes aussi qui se battent à ces moments. Ils sont sortis dans leur façon. Moi, je pense que c'est... Je peux pas dire dans mon cas. Il y a les autres aussi qui font leur carrière aujourd'hui. Ils ne sont pas passés par les grands aussi. Donc c'est juste une petite coïncidence, quoi. Moi, je peux dire comme ça, quoi. Mais qu'est-ce que vous avez tiré finalement? Qu'est-ce que vous avez appris de ces passages avec vos grands, comme vous dites? Il y a plusieurs choses. La façon de se tenir au podium, la façon de chanter, la façon de garder un peu cette potentialité là. C'est ça que moi j'ai appris. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir aujourd'hui. Je suis fier de les dire, de passer par eux. Et aujourd'hui, voilà, je suis en train de faire ma carrière en solo. Et en passant par eux aussi, c'était une expérience bien, quoi. Une expérience, une école. On va écouter un autre morceau, Ma meilleure chemise, que vous avez enregistré pour nous, a cappella, dans nos studios. On écoute. Mama tao silikaka yambalo yeleki liboso sala kiotani santongo tolimi sangai se passe comme un procès mobimbao na kopenga chérie ombele licencio défendre ngai pona sale lokote Paul Muto wanganinga avant o sabotenga na kemaye. Alors là, c'est a cappella, mais on reconnaît très fortement l'influence d'autres grands chanteurs congolais. Voilà. Papa Wemba, on pense à lui. Papa Wemba, c'est une idole pour moi. Donc, qui pouvait partir très haut dans les aigus lorsqu'il chantait. Papa Wemba, vous le suivez un petit peu. Vous êtes On essaye. Il n'y a personne qui peut chanter comme Papa Wemba. C'est mon idole en plus. Donc on est dans ses pas, mais on ne va pas arriver comme lui. Donc là, je suis en train de parler de ma meilleure chemise dans cette chanson-là. Il y a une histoire. Alors c'est quoi justement l'histoire de ma meilleure chemise? L'histoire de ma meilleure chemise, c'est un
grand amour d'un pote à moi. Il m'avait expliqué cette histoire-là. Ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a plu. J'ai dit, mais pourquoi pas faire une chanson à travers cette histoire, quoi. Voilà. Mais parce que cette meilleure chemise, c'était sa chemise préférée. C'était sa chemise. Il avait eu un petit bisou dans ses chemises là, et puis de sa femme. De sa femme. Du coup, il a gardé la chemise comme souvenir, quoi. J'ai dit ah ben tiens. Ah parce que la femme était partie alors. La femme, elle était partie, donc il a gardé cette chemise là. J'ai dit, du coup, cette histoire, ça m'a plu. J'ai dit ah, je vais faire une chanson. Donc vous en avez fait une chanson. Firigola, une dernière question peut-être. Votre pays, la République démocratique du Congo, est dans une situation politique difficile depuis plusieurs années. Mmh. Vous parlez jamais de politique dans vos chansons. On parle pas de la politique, mais moi j'avais fait une chanson quand il y avait un truc à l'Est. On avait fait une chanson, moi j'avais fait une chanson pour compatir avec nos frères qui étaient là-bas. Quand vous parlez des trucs à l'Est, j'imagine que vous parlez enfin de la situation politique, la guerre, les différents groupes armés, des viols sur les femmes. Voilà, c'est ça. Il y a une chanson que j'avais chantée pour l'Est, et je parle de ça quoi. C'est une volonté de ne pas parler de politique dans vos chansons. Je vous pose la question parce que beaucoup de chanteurs africains, comme par exemple des Tikenja Fakoli ou d'autres, ont décidé de s'engager. Mm-hmm. C'est assez peu fréquent dans la musique congolaise. Il y a beaucoup de libanga, on cite des noms dans les musiques, et de noms de politique d'ailleurs, mais on parle assez peu des crises politiques. Ouais, je sais, mais souvent nous on a des paroliers qui nous écrivent des chansons, et souvent les chansons qu'on écrit c'est des chansons d'amour, des genres, des choses comme ça. Mais je sais que nous on est en train de préparer les élections. Je pense que ça va aller avec l'aide de Dieu, quoi, comme je dis toujours. Avec l'aide de Dieu, Férégola pour son triple album QQJD. Je rappelle que vous serez au Festival Amani du 9 au 11 février à Goma, en République démocratique du Congo. Merci d'être venu nous voir. Merci Dominique. C'est la fin de ce journal. On termine avec un autre extrait que vous nous avez accordé. Le titre, c'est Jugement. Merci à vous. Excellente suite de programme sur TV5 Monde. Moya tongwe talenga na pongi na miso bolingo elalisa kinga na libanda nyoso po balobaki na ye mabe mingi na kombo na nga na za innocent nakomi omona pasi mpo na nini okotala te mawoya moninga oyo azali sincere Adol Motebao mayanga na nga na mayele kasi soki bolingo ekotrouble yangai mora biju vangu afrika eza monene jamai ekokokana na bolingo oyo opesaka ngai yango napesaki yo motema na nga gere soki obebisi nga na bebi obongisi na bongi ezala avantage ya ngai na yo Adolphe Emutebao motema na nga epa na yo nasala lisusu nini makanisi esilinga na bongo mbangu na balesi yo nini mpo bosana masotolakanaki ngai na yo cilamwina bakonanaka moto boye te na maloba bakiza te pesa ya tatangwa se defendre kovo masola pourkua basoboya ngai situation nazwaki jugement par défaut mabe nalingi tonso yo tobinaka namona yo pemba na moko me batre na yo na bomba etate tilelo belle inconnue tes yeux doux cheveux longs ton visage est d'enfant et tu que l'engueil traumatisme na la la kao na boutou na la mouka kanango jour après jour bae baoua pour na bole mo wabalouki na katia batombo na bango poko mo boya ngai ba rêve considéré malokola inconnu aranzo tuekenae palmutu esosonga te bolukelanga chercha dileteta soki ayeta akokutanga na kampa palmutu
Sabote na na kemaye